Bonjour, c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 7 du Let's Play de Raft en compagnie de Yout, Rick, Farah et Wawi. Et coucou. Il y a Wilson qui vient de perdre son deuxième bras. Coupé. Ouais, il faudrait réparer Wilson effectivement parce qu'il pourrait bouffer les autres, pourrait bouffer les plantes qui sont juste derrière. Bref, nous sommes ici pour cette vidéo puisque on s'est arrêté. Comme vous voyez, il y a un panneau help sur l'île qui est en face. Ce qu'on va essayer de faire, c'est bah, peut-être y aller. Alors moi je connais pas, je suppose que vous savez hein, ce qu'il y a bien sûr dessus. Voilà. Je prends une vue un peu plus haute hein, pour vous les viewers. Voilà. Donc eh ben on saute, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Attention à la requine. Oui, c'est un requin avec une perruque rousse. C'est pas une requine. Bah, je vais prendre des dégâts et puis c'est tout, si je dis. Ah bah quoi que je le vois pas. Je sais pas où il est, il est parti faire des courses. Il a trouvé un radeau plus intéressant. Alors au passage les viewers, entre la dernière vidéo et celle-ci, moi j'ai fermé, enfin j'ai cuit un petit peu de. J'ai préparé de la nourriture on va dire. Parce que ça part très vite, donc je pense que je le ferai régulièrement, mais hors vidéo évidemment pour vous, donc soyez pas étonnés si les stocks de bouffe n'auraient pas changé. C'est normal, c'est parce que je suis en train de cuire sur plusieurs vidéos. On a une épave de bateau. Alors déjà, il y a une épave de bateau. Un joli petit bateau. Qui est magnifique. Il est beau, hein. Ouais, c'est super bien modélisé, franchement. Oh, il y a des trucs dedans. On a ça, on a aussi, tiens, un petit... je sais pas ce que c'est un petit camp, mais ça vous l'avez fouillé. Est-ce que vous avez déjà fouillé au passage? Non, on n'est pas allé encore. En fait, c'est pas un petit camp, enfin, je sais pas, il y a des fois il y a des petits spots là. Bon, il y a le panneau help évidemment, on va aller dessus. Rick, on retape le bateau et on dort dedans. Ah, est-ce qu'il me propose une... Ok, j'ai retrouvé le requin. Je propose rien. Et sûr que c'est pas lui qui t'a retrouvé. Je sais pas. Ah là, là c'est un plus gros bateau. On parle le même langage. C'est un beau bateau, moi j'aime bien. Il va plus nous falloir un bateau comme ça. Il a été croqué à l'arrière gauche. Oui. Voilà, bref, et ben dans ce cas-là, ce qu'on va faire. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelque chose dedans ou pas? Bah, viens, viens voir. Ah, il y a un truc qui brille. Il y a un truc à l'intérieur. Oh, il y a deux trucs qui brillent. Ah, okay. Je vais remonter mon pantalon. Ok, et il y a Yout qui voulait aussi me dire quelque chose. Récupérer radio, c'est genre récupère bien évidemment. Ah bon? Récupérer plastique, on s'en fout, mais voilà. Ok. Ah, ok, j'écoute la musique comme ça, ok, d'accord. Je me la mets comme dans les années 80, c'est sur l'oreille. Ouais, mais tu vas pouvoir le poser aussi sur le bateau. Il a récupéré la casquette. J'ai une casquette de capitaine. C'est tout ce qu'il y avait? Il y a un bidon là, à l'intérieur aussi. Ouais, mais ça c'est, c'est un peu plastique. Et à mon avis, il y a un trou dans la coque, ici. Oui, exactement, c'est ce que je voyais aussi là, de l'extérieur. Peut-être que dans ce cas-là, on va y aller. Ah, vas-y, va dedans. Une caisse. Mais attends, pour la choper, est-ce que vous pouvez la choper? Parce que moi, j'arrive pas. Si vous arrivez à la choper, allez-y, dites-moi. Hein. Parce que moi, c'est... Entre haut et sol, et du coup, ça voilà, je vous vois sauter comme des gueules. Non, mais c'est pas grave. Ah, Rick est dedans. Tu cherches à faire quoi? Ramasser la caisse, Rick, si tu veux bien. Ouais. Tu peux ramasser la caisse. Ça sert d'avoir un cerveau, des fois. Hein. Bah, c'est ça qu'il a fait le tour, c'est peut-être si malin. Bah, ouais, il y a une autre entrée plus grosse. Si ça rentre pas par le petit trou, tu passes par le gros trou. Là, il y avait un truc bizarre. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, Je m'en souviendrai. Du coup, c'est bon, c'est ramassé? Arrêtez de dire ça, Yahoo, oui, merde. J'ai rien compris à ce que vous avez dit, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Mais c'est pas grave, Yahoo, c'est 14 ans. Si vous avez tout, on y va. Hein. Moi, je vous attends, là, je vous regarde. Mais... Les gars, je suis au panneau, les gars. Alors, par contre, ce qui m'épate, c'est qu'il y a un panneau help, c'est sympa. Mais par contre, en fait, il n'y a rien qui... Enfin, c'est pas parce qu'il y a le panneau help, en fait, que ça nous donne plus de choses, en fait. C'est juste que c'est décoratif, quoi. Bah, si, qu'il y a des gens qui ont cherché de l'aide. Ah non, il y a la radio, excusez-moi. Vu qu'on arrive trop tard. Il y a la radio qui pourrait être utile. Oui, effectivement, il y avait des gens qui étaient là, mais bon, ça après, on peut le voir déjà sur les autres îles, hein. Il a besoin d'avoir le panneau help pour voir qu'il y a des gens qui étaient passés. Enfin, je sais pas si elle va être utile, la radio. Non, vous faire chier qu'autre chose. Je vais la mettre dans les placards bien, pour la moment, radio, voir ce qu'on en fait. Très bien. Voilà, je vais la mettre dans le coffre d'hiver. Il y a de la musique, il y a les infos. Ah ouais, c'est bien ça. Oui. J'ai posé les infos. Tout ce qui est... ouais. Et par contre, niveau plastique, peut-être qu'il faudrait se calmer parce qu'on a presque deux coffres, j'ai l'impression qu'on consomme pas les deux coffres. Ah bah, il y a 2-3 vidéos de ça qui plaignaient ce qu'on en avait pensé. Non, on avait pensé. Pensé. Il y a du mocage là, non? Un petit peu. Allez, pose la radio, gagne du condanche. Ah non, mais je pose pas la radio, ça sert à rien la radio. Et tu l'as mis où? J'ai mis dans le coffre à d'hiver. Et au passage, alors j'en fais une petite cuisson de délices de requin. T'as pas un coffre d'été? Un coffre à d'hiver. Un coffre d'hiver. Ah. Alors le coffre d'hiver, c'est le coffre, en fait, qui est coincé dans le coin là, inaccessible. Voilà. Oui. Fait, petite, ah, pourquoi tu l'as mis au milieu? Voilà. On l'entend sur tout le bateau maintenant. Alors moi j'ai rien mis, hein. C'est vous qui avez décidé de le mettre. Ah, j'avais prévu, c'est pour ça que je voulais pas le mettre. C'est pas à toi de parler.
puisque on a donc fait notre île, maintenant ce qu'on voudrait peut-être c'est avancer plus vite, parce que pour info les viewers, le problème qu'on peut rencontrer, c'est de pas aller assez vite. Maintenant qu'on a débloqué et démarré le scénario depuis déjà deux épisodes, hein, depuis l'épisode 5 et 6, on est trop rapide. Et bien l'épisode 7, on aimerait bien aller un petit peu plus vite, et pour ça il faudrait qu'on fasse un moteur, qu'on ait et une grande voile, un gouvernail, je sais pas si c'est possible. Rick, la radio. La grande voile, je sais pas. Je dis ça, c'est pour éviter, c'est pour éviter que la vidéo elle soit strike. Mais je sais qu'on a débloqué. Merci, Rick. Ah, on va l'arrêter, mais reposez, ça fait beau. Je disais aussi, à part ça, qu'il nous faudrait peut-être un moteur. Maintenant qu'on a débloqué le moteur, si vous vous souvenez à la vidéo dernière, les viewers, que je vous invite à aller voir, parce que c'est une belle grosse vidéo, bien longue. Et dedans, il y a plein de choses à voir. Et là, il n'y a rien à dire, là. Il n'y a rien à dire, quoi. Non, il n'y a pas de truc suspect. Belle grosse vidéo, bien longue. En insistant. Non, il n'y a rien à dire. Non, c'est moi qui ai l'esprit mal tourné. Rick, on te voit en train de faire le guignol. Je dis ça, je dis. Ça pourrait tenir. Vous n'entendez pas la musique? Si, on l'entend. Je suis en train de danser. Si, on entend. Plus, avec le doigt en plus devant, tu vas quelque chose. Il va y avoir un message de. Il va y avoir un SOS après. Bon, bref, donc du coup, est-ce qu'on va crafter donc du coup ce moteur là? On peut le faire ou pas ce moteur? Allez. Allez, allons voir ça. Ah, il y a un flash comment info. Comment on fait le moteur? Alors, attendez, par contre, c'est où le moteur? On a la batterie. Ah, c'est vous êtes là. Toujours le volant, voilà. Donc, le gouvernail et le moteur. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Alors, le volant. Oui, alors, peut-être le moteur en premier, peut-être, si vous voulez. Bon, sûr, peu importe. 5 lingots, 5 cordes, circuit imprimé et planche. C'est pas si coûteux que ça. Le circuit imprimé, je crois, en plus, qu'il nous en restait un, je crois. Qu'il était tout seul, j'en avais crafté un en trop. Ça tombe bien. Mais il faudrait juste me le donner, par contre. Si vous voulez bien, tu remets le... Ouais, d'accord, okay. Il semble qu'il était là, le circuit imprimé, donc il n'est plus là. Donc quelqu'un prendre. Non, il est toujours... il est à droite, il est là, c'est dans un coffre. Ouais. Trouvé, t'as raison. Corde 5, donc ça, on avait des stocks de cordes là. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que le coffre de cordes est rempli. Oh, on pourrait presque remplir, donc... Aucun. Il y a juste une corde en rab, voilà. Ok, donc les cordes, je les ai. 20 planches et 5 lingots de métal. 20 planches, ça c'est bon. Et le lingot de métal. Où c'est qu'on le met après, Farah, le moteur? Tu fais quoi, là? Le moteur? Ben, va falloir trouver l'endroit où le mettre. Pour le bien, ce serait de démonter la maison en OI. Non, il va falloir juste casser les poteaux, là, et casser cette partie-là. Alors, effectivement, non, vu la taille qui fait ton moteur, là, ça va poser un gros problème. On va le poser ici, devant. Je regarde aussi que je peux le pousser. Je crois que je peux le pousser absolument nulle part. Mais bah si. Oui. Mais non. Non, pour le moment. Non, parce qu'il fait plus de 1 de haut. Alors, je sais pas s'il fait plus de 1 de haut. On peut le poser ici à l'avant. À l'avant, il passe pas. Faudrait oui, c'est normal, mais c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de trou dans le plancher. Ah oui. Oui, faut faire un trou, oui. C'est vrai. Oui, faut faire un trou, mais. Alors, attends, faut faire un trou, mais faut faire. Oui, parce qu'il y a une hélice. Attendez, comment vous voulez le poser? Un moteur à roue. J'ai le pivoté, hein, les vieux. Appuie sur virgule, tu verras mieux. Ouais, déjà, ouais, t'as raison, ok. Ok, ah oui, d'accord, ok. Donc là, il faudrait le mettre sur le côté, en fait. Mais il faudrait le mettre sur le côté. Ah, là, je peux le poser au bord, là, regardez, ici, là. Alors, soit on le met là. Sur le côté, ouais. Non, le pose pas là. Là, il y a un risque en fait, le truc, c'est qu'il faut. Il faut le mettre côté gauche. Par rapport à la. Non, mais attends, il y a ça aussi à démodir. Un de haut. Je suis en train de regarder. Alors effectivement, en hauteur, triangle. Ça passe pas. Ça devrait passer. Non, ça passe toujours pas. C'est toujours en rouge. Je pense qu'il faut plus de 1 de large, par contre, parce que j'ai l'impression que ta roue, là, elle est en train de frotter sur les filets. C'est une impression. Sur les filets. Ton moteur. Alors, attendez. Je suis en train de tourner la caméra, parce que du coup, je vois pas. Voilà, c'est bon. Ça passe toujours pas, c'est toujours en rouge. Attends, envoie-le-moi, s'il te plaît. Ouais, je t'ai envoyé, mais tu vois que c'est... Pendant ce temps, tu sais quoi, avant que tu le poses, Bobby, tiens, je vais te le donner et je vais aller fabriquer le gouvernail. Comme ça, pendant que tu regardes le truc. Alors, par contre, attends, on va pas faire la connerie, Bobby, parce que je me méfie de ça. Le mets dans le coffre. Ouais, donne-le à quelqu'un d'autre. Je te le mets dans le coffre, tout à gauche, là, le coffre d'hiver, ce que j'appelle d'hiver. Et pendant ce temps, je vais faire le gouvernail. Comme ça va être vite fait aussi. Ça, on pourra faire le gouvernail, le volant. Donc, c'est de la ferraille, du métal, 4 cordes et des. Boulon et charnière, ça c'est plutôt bien aussi. Là, ah, c'était le nid à oiseau qui gênait. Là, tu vois, il a réussi à le poser. On a un souci, par contre, si ça graille ici, là. Là, tu peux le poser, Gadu, du coup. On va élargir. Alors, attends, je te le mets dans le coffre. Ouais, puisque j'y suis, je suis en train de préparer la suite aussi.
Si le requin ira ici. C'était le petit nid à oiseau qui gênait. La ferraille. Ouais. Mais j'aurais peut-être pas mis là-bas au bout, moi. Enfin... Ouais, moi non plus. Moi, je l'aurais j'aurais mis plutôt par là, quoi. Tu vois. Plutôt au centre. Ouais. Ouais, voilà. C'est qu'un avis, hein. Ce n'est que le mien qui ne compte pas beaucoup, mais. Il fallait aussi un boulot. Comme ça, je pourrais dire, je vous l'avais dit, si ça va pas. C'est vrai, c'est maintenant, c'est ce que moi je fais en général. Et là, le coup, on va le remettre là. Je sais pas si le coup. Bref. Okay. Bah, surtout qu'en plus, il y avait déjà pas de toit au milieu. J'ai le gouvernail. Hein. Est-ce que le gouvernail, vous voulez que je le mette en haut, le gouvernail? Donc on le met au milieu? Bah, en fait, le gouvernail, honnêtement, Gadu, moi, sur la partie que j'avais joué avec nos deux compatriotes qui avaient déjà le jeu à ce moment-là, on avait mis la chaise en face de la barre et juste à côté, il y avait la radio. Ça permettait de savoir pour mettre le cap et tout. Tu vois, le capitaine, il s'asseyait, pépère, il avait sa jambe de bouet. De bouet? Alors, ouais, de bouet. Rick, c'est un mélange entre biais et bois. On va en parler après, justement, de l'on-pose. Je propose de poser le moteur. Le moteur, vous le posez dans... Voilà, bah, c'est bon, ok. Vous avez réglé la question. Parce que je peux poser qu'à un endroit. Je le pose, c'est parti, le moteur. Ouais, vas-y. Boum. Et pourquoi vous le mettez là? Voilà. Et le gouvernail, donc tu m'as dit, au milieu. Pourquoi vous le mettez là? Vous allez poser... Ils ont voulu le mettre au milieu. Et c'est n'importe quoi. Vous allez mettre où, le deuxième? Bah, derrière ou devant. Mmh. Bah derrière ou devant, ouais, c'est ça. Ouais, moi c'est comme ça que j'aurais fait, je trouve ça pas mal en fait, Farah, moi je sais pas. Donc ça sert à rien en fait que j'ai allongé ici l'avant du bateau. Oui, par contre oui. On peut recasser en fait. Non, laisse, c'est pas grave. Enfin, c'est peut-être grave. Le gouvernail du coup je le mets où alors? Je le mets pas à l'étage? Franchement, venez, moi ce que j'aurais fait ici, j'aurais mis à la place de l'escalier, au-dessus de l'escalier là, et j'aurais fait en fait un escalier de chaque côté. Mais je sais pas si ça vous plaît ou pas, mais j'aurais pas fait un escalier au milieu. Parce que là, en fait, le problème, c'est que si je le mets devant l'escalier, du coup, on a bien un passage derrière, mais si je le mets, tu vois, derrière, c'est là où je suis là, sur moi, bah du coup, en fait, on a du mal à accéder derrière, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, bah, donc moi, j'aurais mis la place de l'escalier. Mais pour ça, il faudrait péter, en fait, bah, remettre un escalier de chaque côté, et puis bah, remettre à la place de l'escalier, il faudrait mettre une hauteur. Fais donc. Non, c'est comme vous voulez, hein. Vous voulez qu'on fasse ça? Comme vous voulez. Ou sinon, on le pose pas là, hein, mais je pense que le petit promontoire que vous avez fait, là, je pense que c'était justement pour poser le gouvernail. Ça a pas d'intérêt. Demandez à Farah. Farah, faites comme vous voulez. C'est son batal. Bah, qui est pour ce que je viens de dire? Oui, moi. Ah, je levais la main, mais t'as pas vu. Donc, ouais, oui, d'accord, Yout aussi. Bon, bah, écoute, il reste plus que Farah pour la forme, mais sinon, fait chier. En fait, moi, j'aurais posé au-dessus de l'escalier, j'aurais posé le gouvernail. Et j'aurais fait un escalier de chaque côté, à la place des deux boss en fait. C'est des deux promontoires, là où je suis. Là. À la place de Gadu et moi. Un escalier. Mais tu peux pas le mettre juste là, non? Là où ça? Alors si je peux, mais du coup on n'est pas aligné, on n'est pas centré. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je dis ça, c'est ce que vous voulez. Hein. Je sais pas, le radeau, tu vas mieux le diriger. C'est vrai que pour passer dans l'estuaire, ça va être plus compliqué. Non, Gadu, le problème c'est qu'on peut pas y mettre là, parce que dessous, regarde bien, il y a l'ancre. Ah oui, t'es trop loin. Si on... Je crois, de mémoire, hein, que la barre, elle doit être au-dessus du gouvernail, et le gouvernail, il est troué. Ça fait un trou. Et il faut sa place. Et bah voilà, bah sur le côté, c'est bon. Hein. Alors, sur le côté, alors dans ce cas-là, on le met à droite. Non, c'est pas bon. Non, ouais, il va falloir juste pour info, élargir. Il me vire partout, hein, là, actuellement. Et devant l'escalier et sur les côtés, il me met vert. Hein, ça pose pas de problème pour lui. Hein. Oui, parce que tu peux le poser, mais après, c'est pour mettre le gouvernail. Problème, je crois. Bon, je le mets à droite. Parce que moi j'ai pas de façon, on le retire, j'ai que le colon, j'ai pas de gouvernail. Bon. Je mets à droite. Oui, si c'est pas bon, on le retire. Oui, de toute façon, ça mange pas de pain. Ouais. Il faut juste que j'aille manger par contre, parce que là je commence à m'affaiblir. Et là, tu vois, il me semble que le tuyau là, c'est pour dire que la direction elle va en bas tout droit et qu'il faut mettre le gouvernail dessous. Hein. De mémoire, c'est comme ça. Non, c'est bon, il est bon. Hein. Je peux peut-être dire une connerie. Il est déjà là, le gouvernail. Hein. C'est ce que je me disais, le gouvernail, t'as pas le posé après. Hein. Bon. Et pourquoi on avait. Pourquoi on avait eu des soucis, Huawei, dans la partie d'avant? Je sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'on avait voulu faire un truc comme ça. Et... Ouais, on s'était fait. Ça a peut-être été corrigé ou on était peut-être trop dessus. En fait, t'étais trop dans le trou. Ouais, peut-être. Et là, on est au bord. C'est à chier. Et là, du coup, on peut le mettre au milieu. Hein. Ah, bah non, il n'y a pas besoin, C'est bon. Oh. Voilà, on tombe par là. Ça part très vite comme d'habitude. Mais bon, ça, vous avez dit.
Je vais garder le poisson pour tout à l'heure. Et je vais boire un petit coup. Coup. Deux petits coups. On active ou pas ? Tu veux de l'eau ? Ok. Donc on a le gouvernail, donc il est collé. Le gouvernail est collé au volant. On a le moteur, donc du coup il mange quoi le moteur ? Du bois ? Oui. Oui, mais aussi après plus tard il pourra manger d'autres. Le moteur ? On a quoi ? Carburant. Carburant. Non mais du bois pour l'instant. En revanche, juste un truc. Ah oui, maintenant il prend du bois le. Mais est-ce que vous avez compté le nombre de fondations? Enfin, de. On est à plus de 100, donc il faudra deux moteurs. Voilà. Comme je disais tout à l'heure. Ah, parce que c'est pour ça qu'il fallait les mettre. C'est pour ça qu'il fallait les mettre à l'avant. Il va tourner, mais il va avoir, tu sais, comme si il y avait très peu d'essence et il va avoir des ratés et en fait il va pas fonctionner du tout. Je refais un moteur alors, du coup, c'est ça? Ça vous va? Un pas de choix. Alors, faudra préparer, par contre, faudra. Vous me disiez où mettre. Qu'on répète. À l'avant, là. Ah, c'est fait partir un peu. Ah oui, je pensais que c'est pas dit qu'il fait. Ah, si, ouais, pour la. Je crois qu'on peut les mettre les deux à la suite. Avec si ça peut arranger. Tu sais qu'on peut mettre. C'est peut-être mieux, ouais. 3, 4, 5, 6. Par contre, on va devoir casser ça. On peut activer la machine quand il y a l'autre devant. Non, 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 on touche à rien là. Comme ça, on peut passer entre les deux. On n'a pas à contourner. Ok. Alors le point, c'est juste que quand il faudra mettre des tuyaux. C'est que personne n'est jamais d'accord. Non, mais on les redéplacera s'il faut. C'est ici, pardon. Okay. Et on refait donc un moteur. Alors, c'est combien le moteur, pouvez me dire? Juste combien ça occupe sur le bateau en fait? Juste. Ouais, 100 chevaux. Pardon? 100 chevaux à peu près. Je te remercie, Yut. Pour les autres, est-ce que vous avez une réponse intelligente? C'est quoi ta question? Ouais, je dirais 150. Bloc. Non, 350 plutôt. Corde. 350 structures? Quoi? Non, je sais pas le nombre de structures. On parle de chevaux. Combien ça fait de structures un moteur? 3 par 2. Par 1,50. Combien par, ça peut faire avancer? 42. 100. On t'a dit. Oui, je sais, mais je me rappelle plus. Donc là, on peut en faire 200, c'est ça? Oui. Et 200, avant qu'on le fasse, est-ce que 200 ça va suffire? Est-ce que notre bateau il fait 10 sur 20? Est-ce qu'il fait plus de 10 sur 20? Sinon, il faudrait prévoir un troisième moteur. Eh ben, on verra 3, bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il fait 11 de large déjà. Et en longueur, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est bon, 14, 15, c'est bon. C'est bon. Enfin, ça va être limite, mais ça devrait être bon. On va le voir, hein, comme tu dis, mais si je compte bien, c'est parfait. Je fabrique donc le deuxième moteur. J'ai le deuxième moteur avec moi. Où c'est sauf que Gadu, du coup, t'enlèves tous les filets, t'enlèves tous les trous qu'il y a, puisque ça finit en pointe. Bah, non, là je peux le poser devant, là, le deuxième moteur. Là. Oui, non, mais je parle de. Les fondations, en fait, les filets, ça compte pas comme fondation. Ah oui, d'accord, quand tu t'enlèves, d'accord, ok. Ok, oui, non, c'est bon, non, mais après je compte à la louche parce que c'est pareil, il y a des angles, il y a des virages, il y a des trucs. Voilà, je compte juste comme ça vite fait pour voir en fait si on y est ou pas. Effectivement, on doit être à 17, 18 sur 11, donc ça doit faire moins que 10 sur 20. Mais en plus, c'est marqué sur le moteur, hein. Ah bon ? Une roue égale 100. Oui, non, d'accord, non, mais oui, mais par contre, on sait pas combien il y a de structures sur le navire. Ah bah non. Ça, par contre, parce que le problème, c'est qu'il y a des angles. Il y a un requin qui arrive ! Non, c'est bon, en fait, il arrive. Attends pour moi. Actif. Okay. Je vais bientôt changer de lance, moi. Alors, c'est génial, on a deux moteurs, je trouve ça très très bien. Par contre, comment on rajoute du bois dedans, c'est ça? C'est ça que vous avez dit? Oui, alors ouais, c'est bon, on a tout rajouté, t'inquiète. Vous avez déjà rajouté, parfait. Est-ce qu'on peut le faire avancer? Oui. Ah, je crois que c'est... Alors, un, ça suffit pas, on voit que ça fait des ratés. Ouais. Par contre, en activant le deuxième, ils vont fonctionner tous les deux. Bah, on va voir s'il nous faut un troisième ou pas. Eh, t'as vu? Il nous faut un troisième. T'as vu le nombre de structures que j'ai compté était pas suffisant. Alors, ah bon, est-ce qu'il compte les plafonds? Non. Peut-être, je sais pas, mais ça m'étonnerait. Il y a 11 de large, c'est sûr. En longueur, il y a beaucoup moins. Le problème, c'est que, bah, pareil, il y en a 3 derrière. Il compte que les fondations. Putain, et à tous les coups, on a juste. Alors, 1, 2, 3, 4, je recompte vite fait. Hein. 5, 6, 7, 8. Et si on grignote 9, à certains 10, endroits? 11, 12, 13, 14, 15. Alors, attendez. 15, 15, non, en fait on a 15, 16, 17, 18. 18 fois 11, ça fait combien? Ça consommer des planches pour rien. Ça fait trop. Non, 18 fois 11, ça fait moins que 10 par 20, on est d'accord?
18 fois bah, par 11, ça fait 198. Ça fait 198. Donc, et encore, attends, là j'ai compté le pire. Hein. Là je suis parti, si tu veux, du fond du bateau. Oui, en tout l'avant du bateau. Un rectangle parfait. Quoi. Voilà, en conservant les angles. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas d'angle. Donc je ne comprends pas en fait que ça passe pas, les deux moteurs. Là. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur ou une synchro à faire? Allez, je vais recompter, je vais être fou. Il y a peut-être l'encre, non? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fais-en un troisième, sinon YouTube, c'est tout. Vas-y, lève l'encre pour voir. Lève l'encre. Bah, que si on lève l'encre. Peut-être que si on lève l'encre, ça va avancer, voilà. En vrai. Hein. C'est le joueur qui vous empêche de dériver. Vérifions, mais c'est tout, ça vient pas de là. Ah bah c'est ça. Ah bah ça marche tout de suite beaucoup mieux. Non mais après tu peux très bien faire marcher le moteur pareil et puis bah il tire sur le sol. Mais... ok, donc là ça avance. Alors par contre il y a pas de vitesse. Si on joue 10 moteurs, ça va à la même vitesse que 2. Non, ça va à la même vitesse. Les moteurs c'est juste le nombre de structures. Ok, bah 100 c'est allez. Sûr qu'on les avait. Donc regarde ton parfait. Cap Gadu. Alors oui, on va regarder vite fait là effectivement dans quelle direction on doit aller. C'est bon, on est bien tourné. Alors, et du coup c'est bien parce que là on est à côté. Alors non, il reste 1730. Alors ce qu'on va faire, je sens que la vidéo va être un petit peu longue, mais on va le faire. On va sur une ellipse, et puis on va se reprendre dès qu'on sera là-bas. Si vous en rappelez que c'est pas trop long, on fait ça. Et puis voilà, donc du coup on fait une ellipse, et puis on se reprend là-bas. À l'ellipse. Voilà, on se reprend là, du coup on est près de l'île où on doit aller, donc ça a pris un petit peu de temps. On a dû contourner aussi l'île, parce qu'on est arrivé de l'autre côté, il y avait une autre entrée de l'autre côté qui était plus fine. C'était vraiment un petit passage, on pouvait pas passer. Là ici on a vraiment un... Bah c'est quoi, c'est une plage? C'est un port, c'est quoi? C'est une plage? Oui. Ah, je suis tombé en dessous. Ouais, c'est une plage. De plage. Bah remonte vite, bah oui, ou va directement sur la plage. Ah mais tu peux, tu vas plus vite que le bateau normalement quand tu nages. Ouais. C'est un bateau à vapeur en fait. J'attends pour l'encre. Ah vas-y, tu peux avancer. Hein. À l'avant, dites. Bah... Tout à l'avant. Vas-y maintenant, si tu veux, elle se remane, je pense. Parce que là il y a des vagues, tu peux aller jusqu'à coller, hein, Gadu, hein, on a une marche arrière. Hein. Ah bon, bah vas-y, bah dans ce cas, bah bon le truc alors, on dit. Terminé. Avance, les gens sont bouge plus. Ah, tu peux y aller, c'est bon. Là on est. Les moteurs. Les moteurs sont coupés. C'est bon, vous y êtes? Ok, alors est-ce que. Non, hop, avant que j'y aille, moi il faut que je prenne de la bouffe là et de l'eau. Voilà, récupère sa bouffe. Bah oui, on va t'engueuler, hein. Ouais, c'est clair. On va t'engueuler comme du poisson qui purit. Voilà, et tant pis, je gaspille un peu de flotte, mais ce qui compte, c'est que j'ai une bouteille d'eau pleine. Voilà. Ne fasse pas avoir, et j'ai pris des stocks, évidemment, de nourriture. Parce que vu la taille de l'île, je me dis qu'on va y être très longtemps sur cette île. Alors, est-ce que j'ai fini de la remplir, là, ouais. Sur ce récupérateur d'eau? Steve, je sais pas, j'ai dû mettre 5 d'eau, je pense. Ok, et ici, qu'est-ce qu'on a comme nourriture? Alors, je pense que ça va dû repartir encore. Ah, c'est affronté, là, bien sûr. Ah oui, carrément. Ah, il y en a qui prennent 20 patates comme ça d'un coup. Au cas où. Allez, bon, oui, c'est ton préfère. Je vais prendre 3 de chaque. Écoutez, je pense que ça va suffire très largement. Et encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se nourrir le plus tard possible. Histoire de bien mourir de faim. Non, pas mourir de faim. C'est. Voilà. C'est histoire que, en fait, plus on mange tard, tu sais, plus le niveau de faim. Enfin, le niveau du coup de satiété monte haut. Parce que t'as faim. Depuis quand tu utilises des mots aussi impressionnants? Oh, depuis très longtemps. J'en invente même des fois, mais on me dit oui, Gadu, t'es un culte. Alors qu'en fait, c'est clairement. Non, y a pas le te en fait. C'est juste moi qui invente le mot, c'est tout. J'en suis très conscient que c'est pas bon. C'est pas grave. J'ai pas entendu ce que t'as dit, mais on s'en fout. On y va, messieurs. Non, par personnel, must turn back. J'espère que vous avez touché une lance. Le personnel du qui n'est pas du parc doit. À 25%. Doit partir. Qu'est-ce qu'il y a à 25%? Les lances. Ouais, moi, elle a 33%, ouais, lance. On est à 50. Ça va peut-être suffire, vas-y, le nombre qu'on est, je pense que ça devrait suffire. Ouais, enfin, ça va suffire, je sais pas. Yout, normalement, j'ai pas trouvé. Je connais pas l'île, en fait, c'est à vous de me dire. Si vous dites que c'est pas bon, on y va pas. Hein. De quoi? Non, mais c'est bon, tu vas peut-être mourir, mais c'est pas grave. C'est pas vrai qu'il faut aller, hein. Ouais, on verra bien. On va tous mourir, mais c'est pas alors, vrai. À droite ou à gauche? Alors, à droite, c'est écrit, attention, je sais pas ce que c'est, dance, mais en tout cas, beer ahead, ça veut dire il y a des ours devant. Je vous conseille d'aller par là. Donc à gauche, là où il n'y a pas équilibre. Dit-elle avec sa grande lance brandie. si Wally a décidé, c'est Wally qui a décidé. Vous l'enverrez dans les commentaires si jamais c'est planté. C'est ça. Voilà. Donc là, on a encore des directions. Alors, à droite, on a un relais station à 2 km.
Sinon, à gauche, il y en a un 1, 4 et un 6. Et, enfin, d'ailleurs, il y en a la aussi, Ranger. C'est le numéro du Ranger Station. C'est Ranger. Le 2, le 4 et le 6. Il y a des relais et la Ranger Station. Regardez ce qu'il faut faire. Moi, j'irais au Ranger Station d'abord parce que c'est neutre. C'est exactement ce que je ferais aussi. Parce que là, il n'y a pas de numéro. Donc, en fait, attendez, il y a encore un panneau là. Ranger Station, c'est à gauche. C'est un panneau. C'est bien, ils ont mis des panneaux partout par contre, ça c'est bien. Ouais, à chaque intersection. Quand c'est bien organisé généralement. Non, mais là tu vois, intersection, là pour moi, il y a des intersections partout. Hein. Ouais, mais pour le retour, c'est. Non, mais tant que tu vois pas de panneaux, va tout droit. On va dire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles infos. Oui, mais le problème c'est que du coup, ça va à droite et à gauche du coup. Donc la Ranger Station, on doit aller par là. Je sais pas si vous me suivez, mais moi je suis Ranger Station. Il y a ton armée derrière. Je regarde pas. J'ai mangé un petit coup de poisson, tiens. Parce que c'est parfait. Ça on garde pas, il s'en fout. Hop là, il y a un ours. Ah bah tiens. Ok, on se le friquille tout. Ils avaient prévenu. Est-ce qu'on se le fait tous ou pas? Il va falloir y à l'attaque. Dès qu'il vous attaque, vous braquez. Au courant qu'il va se faire. Vous mettez pas devant lui sauter. C'est bon, stop. Parfait. On vous ramasse la viande. Quand il y a un ours, vous mettez pas devant lui. Oui, c'est ce qu'on fait, on se met bien. Et vous mettez toujours derrière. Non, mais Winnie, vous êtes toujours niqué, papa Winnie. Quoi. Il est toujours derrière que, plus que devant lui. Oh. Ouais, mais ça dépend. Là, il y a un camp. Il y a le stuff d'Henri. Henri stuff, dégagé. Keep out. Alors, ça veut dire c'est le stuff d'Henri dégagé. Ok. Bah, il a un bateau, Henri. Ouais. Et Ranger Station, donc c'est par là-bas. Donc en fait, c'est quoi cette île? C'est un espèce de parc naturel? J'ai l'impression. Une réserve d'ours? Ouais, pas que ça devait être en haut d'une montagne. En tout cas, c'est à peu près. Ça a l'air d'être abandonné. Mais... C'est pollué. Alors là, par contre, ils nous disent d'aller par là. Très, très haute montagne. Oui, enfin, faut suivre le chemin en fait. Mais c'est ça. Parce que moi, j'allais tout droit, j'allais me jeter du coup. Oula, ça pue. Ça pue ça. Pas forcément. C'est une base sur Ark. Alors, oui, c'est ce que j'allais dire. Il y en a un par un qui y va. Moi, ça commence à me plaire. Il y a un Rex au milieu là qui est en train de taper. On m'a pas dit c'est compliqué comme ça, c'est quoi ce bordel là? Ne rentre pas dans le truc et il y en a un par un. Faut y aller un par un, oui. Ouais, parce que faut que ça revienne. Voilà. Ok, et si on plonge dedans, il se passe quoi? Tu meurs. Instant, tu meurs pas tout. Non, tu meurs pas tout. Ouais, attends, tu meurs juste un petit peu. Non, t'as juste des dégâts. T'as encore ta voix qui. C'est marrant parce que vos caisses, toutes les caisses ne plongent pas en fait, il n'y en a que certaines. Non, mais c'est parce que j'ai pas encore fait de réglage TS et. Ah, bah ça, je te mets dedans. Donc voilà, il plonge pas tout. Hein. Bravo, mais bravo. Il est tombé dedans. Ouais, je suis même bien tombé dedans en fait. Hein. Ouais. T'arrêtes pas, ça, t'arrêtes pas. Ouais, mais c'est bon, ça le fait. Je suis à la moitié de ma vie, ça va remonter le son parce que je suis plutôt bien niveau bouffe, donc ça va remonter. Ça va remonter, ouais. Eric, tu vas régaler. Ok, bon, on a passé la zone dangereuse. On attend Rick. Bah, j'étais devant toi. Non, mais on est là. Je suis arrivé en deuxième. Ok, c'est quoi ces espèces de stations là qu'on a là-haut là? Alors, ici, c'est un relais. Relais, voilà. C'est Relais Station 2, bah tiens. Un relais château. Bah, nous, on devait aller à Ranger Station. Vous vouliez pas aller à Ranger Station avant? Venez à Ranger Station avant et après on va activer. Au pire, il est déjà monté. Parce que je pense que c'est là qu'il faut aller, moi. Ah non, c'est pas Gadu qui est monté. Oui, Ranger Station, c'est la petite maison là, on est d'accord. Oui, c'est ça. Et alors, c'est écrit au-dessus, si vous vivez ici, votre maison est partie. Voilà. If you live here, your house is gone. Alors, peut-être qu'il y a là, c'est marqué nécessite une ampoule. On peut s'installer là après tout, on est tranquille. Là. C'est pas mal. On a un plan de raffinaire de biocarburant. Par contre, on va avoir un problème, c'est qu'on va manquer de. Une nouvelle note a été ajoutée. Une nouvelle note a été ajoutée. 1800 volts. Pas mal ça. Ça peut peut-être nous servir. Nécessite une scie de Bruno. Nécessite un marteau de Bruno. Nécessite une clé de serrage de Bruno. Une clé de serrage. Une caisse. Non, je crois que c'était Bruno le Ranger. D'accord, ok. Oui, c'est là où il y a le truc en fait. Je voulais montrer la caisse à Gadu, mais c'est pas vrai. Désolé. Quand on aura trouvé les outils, Bruno aura la gentillesse de nous donner quelque chose à tous les coups. Excuse-moi, Eric. Bah, en fait, c'est surtout qu'on va crafter ça, des choses avec quelque chose. Oui, certainement. Du coup, on va sortir. On va donc du coup dans les relais, dans les stations, voilà. Dans les stations en fait, relais. En fait, il va falloir activer toutes les stations. Il y en a trois, faut toutes les activer. Ouais. Et ben, ce que je propose,
Et qu'on les active à la prochaine, au prochain épisode. Exactement. Ouah, t'es trop fort. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Bye bye.